Avec l'exposition Archipel, prolongée après sa fermeture provisoire, le musée d'art de Nantes poursuit le dialogue entamé en 2014 avec Jean-Jacques Lebel et les œuvres de son fonds de dotation. De Marcel Duchamp à Francis Picabia ou Yoko Ono, en passant par Victor Hugo, Max Ernst ou André Breton. Artiste plasticien, écrivain, créateur de manifestations artistiques, Jean-Jacques Lebel est l'auteur de L'enterrement de la chose, happening réalisé à Venise le 14 juillet 1960. Il publie à cette époque le premier essai critique en français sur le mouvement happening à travers le monde. Il a produit plus de 70 manifestations de happening. C'était une des insurrections sociales les plus importantes des 200 dernières années. Certainement, on commence à s'en apercevoir, au moins aussi important que la Commune de Paris, sur cet aspect-là, parce que ça abolit tous ces rôles, toutes ces catégorisations, tous ces cloisonnements, tous ces rôles prison dans lesquels les gens sont enfermés, en disant tout le monde devrait, pas tout le monde peut, mais tout le monde devrait pouvoir peindre, dessiner, faire de la musique, penser. Il n'y a pas ceux qui pensent et ceux qui sont pensés, ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Voilà. Les situationnistes, et Debord en particulier, mais pas seulement Debord, déjà Marx en 1848, dans les fameux manuscrits de 48, pourquoi ne pas prendre en main sa propre vie? C'est-à-dire resculpter, remodeler, modifier son existence propre à chacun et chacune d'entre nous. On peut appeler ça un happening, on peut appeler ça une insurrection, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le même problème. Ne plus subir ce qu'on veut nous faire subir et devenir acteur de sa propre existence.